Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Comme vous le savez, les vidéos, c'est un petit peu plus calme l'été. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour un bêtisier, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu sur la chaîne. Et je sais que vous êtes très friands des bêtisiers, notamment les séquences avec Johanna. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 3 du bêtisier de la saison 3. Vous allez voir, je vous ai concocté des extraits vraiment hilarants. Alors j'espère que ça va vous plaire, que vous allez passer un bon moment et que vous allez rire autant que moi j'ai rigolé quand j'ai fait le montage de cette vidéo, de ce bêtisier. Et puis là, vous voyez, je suis en plein repérage pour une future exploration paranormale que vous allez découvrir la semaine prochaine sur la chaîne. Franchement, ça s'annonce pas mal parce que le lieu est un château vraiment exceptionnel. Donc rendez-vous la semaine prochaine sur la chaîne pour découvrir tout ça. Bon, et puis j'ai pas encore mangé et vous le savez, mon partenaire officiel pour m'alimenter sainement et surtout en peu de temps durant les explorations, c'est évidemment Y-Food. Regardez, j'ai ma boisson qui est prête juste ici. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Y-Food est une marque qui propose des repas à boire complet et sain. Dans cette bouteille, vous avez tous les nutriments essentiels pour le corps. Ça vous tient 3 à 5 heures. C'est Nutri-Score A et surtout, c'est longue conservation. Donc ça, c'est cool. Moi, personnellement, ça me sert beaucoup durant mes tournages et durant mes explorations parce que du coup, bah, ça me permet de m'alimenter très rapidement parce que j'ai pas forcément le temps et surtout sainement. Et ça, c'est très important. Alors là, voilà, vous le voyez, on est en plein été, il fait chaud et il faut savoir que Y-Food propose une gamme fruity avec plein de saveurs de fruits. Vous avez fraises, vous avez tropical, vous avez pêche et vous avez aussi mangue. Et j'avoue que franchement, je pense que c'est mon préféré. Donc là, je vais pas tarder à arriver sur le lieu du château de ma future exploration paranormale. J'ai pas encore mangé comme je le disais, donc j'en profite pour déguster la première gorgée avec vous. Donc on ouvre la bouteille et on peut ensuite savourer. Franchement, Y-Food a du goût, c'est très bon, vous avez plein de goûts, plein de saveurs qui sont proposées, il y en a vraiment pour tout le monde. Comme d'habitude les amis, si vous voulez découvrir Y-Food, vous avez le pack découverte qui est proposé avec plusieurs saveurs, et puis vous pouvez également tester, comme moi je viens de le faire, le goût mangue, qui est vraiment une tuerie. Vous avez le lien dans la description, et grâce à ce lien, vous obtiendrez moins 10% grâce à mon code promo JRM-YouTube. Si vous cliquez sur le lien, la promo sera directement appliquée et vous pourrez vous faire plaisir. Je vous mets tout en description. Vous avez le lien direct et vous avez également le code promo. Un grand merci encore à Y-Food d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci pour leur confiance. Franchement, ça aide la chaîne à se développer. Ça m'aide à aller de plus en plus loin. Ça permet de financer la chaîne. Donc merci à tous pour votre compréhension. Et tout de suite, on se retrouve pour le bêtisier. Et petite info aussi, je suis sur le montage du prochain épisode qui va arriver à la rentrée. Ça va être une tuerie. Alors tenez-vous prêts vraiment. Je pense que c'est l'une des plus grosses réalisations de JRM Paranormal en termes de plans. Vous allez voir, les plans sont incroyables. Et puis on a eu aussi des résultats très intéressants, vous allez voir, c'est une enquête intense et bouleversante. Rendez-vous donc à la rentrée et la semaine prochaine pour une nouvelle exploration paranormale. Et tout de suite, je vous laisse cette fois-ci avec le bêtisier. Je vous souhaite un bon moment en notre compagnie, j'espère vraiment que vous allez aimer, que vous allez rigoler. À très vite. De très jolies tapisseries. De quoi ? Les petits chandeliers aussi qui sont direct. Attends, je reprends. Ouais. Il y a aussi les petits. Ouais, si tu comprends. Les petits chandeliers. Les petits chandeliers. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Mon Dieu. On aimerait savoir. Combien d'années vous avez vécu je sais pas quoi dire. La différence comme ça, mais j'ai... Qu'est-ce que c'est? Ah, non, c'est chaud, on a sens... Mais je comprends pas! Je sais pas! Oh putain! Ils vont nous voir sursauter la caméra! Non mais il se passe des trucs là, je te jure! Non mais vraiment il se passe des trucs! Vraiment. Je sais pas ce que t'en penses, Johanna! Juste. Oh, non, non, c'est. C'est nous, c'est normal! J'ai hyper! C'est normal! Alors c'est bon, déjà que j'ai eu un truc, un phénomène non, mais, chaud en bas. Oui, mais là, c'est nous, là. Là, c'est bon, là. Bon, alors justement, Johanna, je voulais te... Qu'est-ce...
fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, une claque, ça y est, cette chambre, ça va pas du tout. En fait, j'ai vu mon ombre, j'ai vu des pieds, des jambes, je dis, il y a quelqu'un, mais non, en fait, c'est moi. J'en peux plus, les amis. Alors, le donjon, je veux dire, moi-même, j'ai craché. Ça crache. Oh, j'ai craché, écoutez-moi, j'ai vu pouf les vaches là. Je les ai vus avec la lumière, c'est dégueulasse. Ça atterrit où? Ça atterrit pas sur l'objectif ou... Non. Ah, ça... Parce que si j'ai un crachat sur l'objectif. Oh putain, j'ai chaud, ça abuse. C'est vrai qu'il fait chaud avec toutes ces lumières. Fou là là, c'est horrible. Bref, reprenons à nos moutons. Reprenons à nos moutons. C'est pas ça qu'on dit. Non, revenons. Non. Voilà, je voyais, je fais des conneries. Je vais pas sourire, je suis mort. Oh là là. C'est revenons à nos moutons. Oh non, c'est pas possible. J'en ai marre, ah ouais, fou. Ben bref, on s'en fout. Vous avez compris? Là, je me trouve dans le parc du château et donc on a rejoint un endroit où. Ah non, mais. Pour reprendre. Avec les lunettes et tout, ça fait genre. Tu veux que je les enlève? Je sais pas si je vais réussir à ouvrir la porte. Hein. Ah. Tout à l'heure, elle était un peu coincée. Hein. Les aléas du direct, tu sais. Ah, ah oui, non. Putain, ouvre-toi, salope. Oh non, je mets pas ça sur YouTube. Ah non, ça craint. Ah non, ça craint. Non, on la refait. Tu couperas. Je sais pas. Aïe. Ah putain. Bon, j'arrive pas, elle est trop dure à ouvrir, je suis désolée. Tu gardes ta banane, Sandrine? Bah oui, j'ai ton qui dedans. D'accord. Ok, on dirait que tu vas dealer du shit, mais bon, c'est pas grave. Pris dans la tête. Ouais. Oh non. Je le vois voler le bordel là-bas. Oh non. Oh, je me suis bloqué une putain de merde là. Oh, ah. 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 Oh putain. Non, c'est chaud. J'ai plus fixe. Oh non, putain. Oh, c'est incroyable. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais bien. Putain. Mais ta mère! Putain, mais j'en ai marre là! Ah, putain! Non, mais c'est bon! Putain, elle est là! Ah non! C'est quoi qui chauffe comme ça? C'est toi qui m'emmènes de la chaleur comme ça? Bah, putain, elle est bouillante sans déconner. Ah non, j'ai froid. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. C'est moi, c'est mon ventre. Oh, putain. Désolée. Désolée. Rien de paranormal en soi. N'hésitez pas à toucher Moïse. Attends. Il va des choses comme ça, putain. Mais ça va pas. Mais oui, mais bon, il touche vers là-bas, donc il te touche. On va voir s'il y a quelque chose. Tu veux faire le test, moi, voir si ça me touche. Ben, alors, n'hésitez pas à toucher Stéphanie, plutôt. Sans me tirer les cheveux, hein. Sans me faire mal. Hein. Non, mais ils vont pas tirer les cheveux, c'est des gentils. C'est moi où ça sent fort? Je t'en prie. Non, ça, j'ai chaud, d'accord, mais... Oh, elle l'a mis là, mon tableau. Elle m'a dit qu'elle le maîtrise dans ses parties. Elle me vexe, là. Hein. Tu vas refaire un tableau, il s'est retrouvé là. Oui. Ça éclaire, la pièce. J'allais te dire, tu vois, si je fais un ressenti là-dessus. Oui.
On ressent l'âme de l'artiste. Ouais. Non, mais peut-être qu'elle l'a mis là provisoirement. Ça fait quand même un an que je lui ai offert. Hein. Ah oui, donc tu peux. C'est qu'il lui a pas plu. En fait, t'as des couloirs énergétiques. Ah, non. Il est vivant. Oui, c'est bon. Pas de cri. Criez pas. Non, non. Ah non, mais c'est vrai que, tu vois... Ah non, non, moi je crie pas. Non, mais... Je vais pas savoir comme ça, c'est à l'écrit. On est pas obligé de tout se dire, on fait juste une enquête ensemble, ok? Mort de rire. J'essaie d'en bêtiser ça. Si tu veux, pas de soucis. On n'est pas aussi intime, en fait. Ouais, c'est ça. Entre Moïse, le fils... On va peut-être poser des limites, en tout cas. Non, non, mais c'est la chauve-souris, c'est parce que je la vois foncer. Elle va nous faire peur. Ah, on la voit pas, donc laisse-nous. Je suis désolée. Je la vois arriver droit sur moi, en fait. D'accord. Donc droit sur nous aussi. C'était quoi ? D'accord. J'ai envie de faire une section d'intestin. Mettre dans le petit lit. Mais ce monsieur, Elisabeth, que tu ressens là dans ouais. cette pièce, donc du coup il est mort. Ah bah oui. Non mais du coup. Je te le confirme. Tu as d'autres questions? Vas-y, passez le moment. Non mais dans le sens. Il est mort. Oh, non mais. Mort. Ça fait très meublophile. Quoi? T'as dit quoi? Meublophile. Oui, c'est pour ça que je te voyais caresser le truc. J'ai dit. Non, mais mec, on dirait comme s'il y avait des griffures dessus. Tu me gâches les plans, Rémi. Non, non, je rigole. C'est Rémi que je vois. Elle verra au montage. Toute une vie qui s'est arrêtée là, comme ça. Là-bas, il y a encore le fer à repasser derrière toi avec des vêtements. Vas-y, essaye de renifler, Kem. Non, mais des fois, c'est bien, tu sais, pour la science. Toi, Morgane, ce que t'as, c'est aussi un K2, du coup, c'est ça? C'est ça. Un K2 un peu particulier, mais un K2. C'est vrai qu'on dirait... un petit vibro. Ah non, ça je le mettrai pas. Laisse tomber, je vais me faire strike. Non, je sais que tu n'allais pas le mettre. Bon. Vas-y, refais. Mec, même la caméra thermique, j'ai jamais vu ça. Elle est une couleur uniforme de partout, tu sais, y'a rien. Putain, c'est vrai. Ben, elle est vide comme le lieu. En fait. Oh la vache. C'est vrai. Ah. Oh putain, que dalle, mon garçon. Ben. D'habitude, on a au moins des trucs, tu vois, mais là... Ah ouais... Ben, comme ça fait, regarde... Attends, je vais passer devant pour que tu vois. Tu vois? Ah ouais, tu es chat, ou... C'est bizarre, hein. Il y a une partie qui est plus chaude que le reste, c'est ça que je comprends pas, tu vois. T'as 19 degrés? Moi, fais voir, c'est laquelle est la partie la plus chaude. Je sais pas, écoute... Tu as une libido assez forte en ce moment, non? Ah ouais, ça convient, ça, 200%, non, j'en suis sûr. Quoi? C'est affreux là, l'infraçon là. Hein? C'est peut-être ça, non? Ah ouais? Non, c'est horrible le temps. Tu entends pas? T'entends pas? Si. C'est affreux.
Et tu l'entends fort? Oui. Non, quand tu le tiens, ça va, c'est comme ça. Ah non, si, je suis hyper sensible. Ah ouais? Ah, mais c'est vrai, là, à ce point? Ah ouais, non, mais vraiment, là, ça me nique les oreilles. Mais là, non. Si? Si, j'entends. Désolé, ça t'a fait peur? J'ai fait un bond, je te jure. T'as fait un bond? Ah ouais, j'ai fait demi-tour sur moi-même. Je suis désolé. Bon, c'est bien, ça détend l'atmosphère. Là, il n'y a plus rien. D'accord, c'est sympathique. Ça va nous vachement vous donner des résultats. Fait trop peur. Attends, je vais me mettre là. Ouais, je... Oh putain. Ah ouais. Je commence à voir la silhouette du manoir, je vous montre tout ça. Un endroit très accueillant. J'ai mal au bras. Tu veux que je la tienne? Non. Je vais pisser dessus. Juste avant de rentrer dans le manoir, laissez-moi vous parler de... Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais pas remettre le bouchon. Utile. Attends, faut que j'arrive à rentrer. C'est utile, les gars. Oui, c'est utile, ouais. J'arrive pas à rentrer. C'est vrai? T'as des grosses mains? Oui. Ah ouais, putain, c'est des petits, là. Merci, papa. Ah, ça y est, ça va. C'est des petits modèles. J'ai des petites mains, moi. Mais regarde. Je pense qu'il faudrait qu'on aille plus dans les parties intimes. De quoi? Tu peux pas dire ça. Pourquoi? Les parties intimes. Ah oui, oui. J'ai même pas capté. Faites pas gaffe. On s'est assis dans la chambre. On va voir si y a des bruits, s'il y a des événements particuliers qui se passent. Je la toux. Merde. Poussière. Faut que je refasse, ouais.